Thank you.
pour sa magnifique prestation du Conservatoire de danse qui devrait y avoir. Capitaine Laurent Amard, le commandant de la brigade de gendarmerie de Vence, que je remercie également de sa présence toujours fidèle. Notre directeur général des services, Nicolas Chassé, du directeur et chef de service et tous les agents de la brigade. Il n'est pas toujours facile d'être joyeux dans le monde actuel, mais notre devoir est de montrer l'exemple et de le rester. Notre devoir, c'est de trouver des solutions. Notre devoir, c'est de s'en emparer tous ensemble. Dans ce monde mouvant et tragique, quelle certitude avons-nous encore? La première est de rester unis, de rester solidaires, de rester actifs face aux multiples difficultés auxquelles de plus en plus de Vensois sont confrontés. Quelques informations pour commencer. D'après vous, combien de Vensois attendent aujourd'hui un logement décent? 486. Combien les Restos du Cœur et le Secours Populaire comptent de bénéficiaires? 276 familles, auxquelles s'ajoutent 95 personnes, dont 35 enfants inscrits à la Croix-Rouge. Combien de femmes victimes de violences, seules ou avec enfants, ont besoin de secours? 42 en 2023 sur notre seule commune. Combien de ménages prennent à boucler les fins de mois? Sur notre commune, près de 2000. Et combien ont dû affronter la canicule dans des logements mal isolés? Selon l'ADEME, la France recense 75% de passoires thermiques. Mais il n'est pas question de baisser les bras, ni de céder au découragement. L'occasion m'est donnée ici de vous parler de toutes les solutions déjà mises en place à Vence. Pour le logement, 100 familles vensoises ont aménagé dans des logements décents les deux derniers. Faut agir, car les arbres sont et restent nos meilleurs alliés. Deux éditions déjà pour la journée aux arbres citoyens. La mobilisation de nos espaces verts, les plantations partout où c'est possible, et nous n'avons pas fini. Le programme de création des îlots de fraîcheur. Enfin, les 50 arbres fruitiers plantés seuls cette année, uniquement cette année, nous avons également offert au centre ancien deux grands frênes et un micocoulier, réclamé si longtemps par les riverains de la place du Perrin. Vous avez encore 5 minutes à m'accorder. Alors je vous propose un tour d'horizon de notre travail à votre service. Un travail d'équipe avec mes colistiers que je tiens à remercier chaleureusement et grâce à l'ensemble des services municipaux à qui j'exprime ici ma grande gratitude. Je remercie également vous la connaissez. Il est impossible de mettre un policier et un radar derrière chaque automobiliste, même si nous avons cette année renforcé les effectifs de notre police municipale. L'incivisme routier est le premier responsable du danger sur nos routes. Comment stopper les comportements de plus en plus agressifs et irresponsables sur les routes? On contrôle, on verbalise, on immobilise, en continuant d'espérer que les gens soit capable dans le sens élément en ruine. Ce sera le lieu d'une nouvelle dynamique commerciale qui profitera à toute la ville. Les halles actuelles méritaient quand même mieux. La boutique éphémère, créée au Grand Jardin, offre un véritable tremplin pour lui permettre de se lancer en toute sécurité dans le monde de l'entreprise. La dynamique d'une ville doit se mesurer en toute saison. Parmi les 260 manifestations de l'année 2023, j'ai bien dit 260 manifestations, une trentaine de spectacles et d'animations tout publics et gratuites ont enchanté l'été des Vensois et des visiteurs. Rendez-vous au Grand Jardin du 4 au 13 juillet avant de laisser la place aux Jeux Olympiques 2024 et l'arrivée du Tour de France à Nice. Nous sommes également au travail pour que la saison touristique soit aussi animée et festive que l'an dernier. Loin d'être frileux et repliés sur nous-mêmes, nous multiplions les partenariats et les coopérations. Une démarche frappée au coin du bon sens. Avec Saint-Paul-de-Vence et la Fondation MAG, nous avons lancé une quatrième navette pour relier les sites culturels majeurs
tels que la chapelle Matisse et le musée de Vence. Et c'est ici que j'annonce la concrétisation de ma troisième promesse de campagne. Les Vensois auront bien leur piscine municipale couverte. Préservant le site et sa vue exceptionnelle, mais aussi la reconstruction de toutes les annexes, sanitaires, vestiaires, accès. Une piscine couverte nouvelle génération répondant aux enjeux actuels, bioclimatiques, de maîtrise des coûts d'énergie, de récupération de chaleur, de consommation d'eau responsable, d'accessibilité aux personnes handicapées. Nous étudions actuellement un réseau de chaleur partagé et économique qui desservirait la nouvelle piscine couverte, mais aussi la médiathèque, le gymnase Andréis et l'école du Gard. Là encore, nous mobilisons le maximum de financement pour transformer ce nouveau lieu d'art, la maison où a vécu et créé Henri Matisse. Un appel au mécénat populaire a été lancé avec la Fondation du patrimoine. À ce stade de mon discours, j'aimerais m'arrêter 2 minutes sur le sens de la gestion municipale. Présider à la destinée d'une ville, ce n'est pas se contenter de gérer le budget, mais c'est mobiliser toutes les politiques financières existantes de toutes les sources possibles, de l'État aux fondations, de la région au département, à la métropole. Pour préparer l'avenir d'une ville, ce n'est pas se limiter à faire ce que nos seules finances nous permettraient parfois. Il faut savoir forcer le destin. Tandis que certains n'ont que l'objectif de ne pas dépasser le cadre budgétaire, pour nous, préparer l'avenir, celui de nos enfants, consiste à investir dès aujourd'hui pour réparer les erreurs coûteuses du passé. Notre conception du financement des projets porte déjà fortement ses fruits. Vence est lauréate du Fonds vert et du plan de relance de l'État grâce à une mobilisation exceptionnelle des services municipaux pour financer la transition énergétique, la rénovation des bâtiments, des éclairages pour tous les équipements sportifs. Gaz et électricité va tous nous impacter, comme le coût de l'alimentation dans nos cantines qui bondit de plus de 140 000 euros cette année. Nous devrons cette année aussi faire face à une pénalité majorée de 92% pour le manque de logements sociaux, soit 960 000 euros. Vous l'aurez compris, en 2024, les défis ne manquent pas et l'immobilisme n'est certainement pas la solution. Ignorer les problèmes ne les résoudra pas. Au contraire, lorsque les problèmes s'accumulent, la mobilisation collective doit redoubler. Car nous sommes tous comptables de l'avenir que nous préparons. Alors, ne serait-il pas temps de cesser les vaines querelles lorsque tant d'urgences s'accumulent? Va-t-on encore taxer les maires de bétonneurs? Et à Vence, c'est bien évidemment le cas. En ce qui concerne Vence, le préfet, lui, pense tout l'inverse. Par manque de logements sociaux, rappelez-vous, 486 demandes en attente, le préfet nous a signifié la pénalité de 960 000 euros que je viens d'évoquer, mais aussi le retrait du droit de préemption. Rassurez-vous, quasiment toutes les communes y passent. Cela signifie que toute nouvelle implantation d'immeubles peut être décidée et imposée par le préfet. Les services de la ville, de la métropole et du département auxquels nous demandons toujours plus et qui répondent toujours présents. Je me demande parfois si nous sommes tous bien conscients d'avoir une ville aussi exceptionnelle que Vence. Elle est bien le résultat de tous nos efforts conjugués, à commencer par les vôtres. Je pense à tous les bénévoles qui persistent à œuvrer pour la collectivité. Je pense à vous tous, anonymes, chefs d'entreprise, fonctionnaires, commerçants, éducateurs sociaux, artisans, artistes, acteurs de la petite enfance ou du grand âge. Sans oublier nos précieux et indispensables services de secours et de sécurité, que je vous remercie d'applaudir car ils font un travail formidable. Prenons soin les uns des autres et surtout des plus fragiles. Très heureuse année 2024 à tous et merci de votre attention.
marraine du Téléthon 2023, contribue à une société bienveillante en changeant notre regard sur la différence. Non contente de surmonter ses propres difficultés, Saïda s'est mobilisée et éveillée les consciences avec joie et confiance. Voilà. Je remercie Saïda, vous pouvez l'applaudir. Ramasse plus de 40 000 mégots par an. Derrière ce nom de BD, un retraité lensois, Dominique Bouchard, ramasse inlassablement ce que les fumeurs jettent au sol sans scrupule. 40 000 mégots ramassés, rien qu'à Lens, représentent 20 millions de litres d'eau sauvés. L'écolo-pacifiste stocke ses innombrables mégots dans des bouteilles confiées ensuite à l'association Recyclop. Marc Dutilleul, qui ne connaît pas Marc Dutilleul ? Partage et transmet aux jeunes sa passion musicale, marquant des vies et des destins. Co-directeur de 1985 à 2006, il a accompagné l'évolution du conservatoire. Son extension, la belle salle d'orchestre que j'ai créée, eu l'honneur d'inaugurer, le stage de musique d'ensemble, l'agrément par le ministère de la Culture, les rencontres avec Sanremo et Imperia, contribuant à développer les expériences et les pratiques. De la fanfare chez les Ch'tis, du conservatoire de Roubaix, du premier prix d'excellence clarinette et musique de chambre de la ville de Paris, à l'École nationale de musique de Compiègne, Marc devient clarinettiste solo au Philharmonique de Nice. Il se produit aussi dans plusieurs formations, de musique de chambre ou contemporaine, avec Musica 13, avec le Quatuor Azimut en direct sur France Musique en 1996, au saxo avec le groupe Rhythm Blues. Sans oublier la présidence des concerts Syrinx de 2015 à 2023, 2024 sonnera malheureusement pour nous l'heure de la retraite. Marc a déjà un grand projet en tête, remonter dans le Nord à vélo. Ce qui est certain, c'est qu'avance sa grande gentillesse et sa bienveillance reconnue par tous, au service d'une musique universelle, vont énormément nous manquer. Merci Monsieur Dutilleul pour tout ce que vous avez fait. Liliane, c'est une grande dame qui, derrière toute sa modestie, est toujours mobilisée pour servir les causes les plus nobles. De l'environnement au don du sang, du soutien scolaire au don d'organes, Liliane incarne l'intérêt général du plus jeune au plus âgé. Madame 100 000 volts est d'un dévouement sans limite, aussi bien dans la vie publique et associative que dans sa vie de grand-mère. La cause sociale et solidaire est sa boussole. Une grande chance pour Vence et les Vensois, et pour son mari, Gégé. Merci Liliane pour tout ce que tu fais avec une grande bienveillance magnifique.
Thank you.